Alors le site des Doncherets est un site que nous avons racheté pour le pôle formation de l'UMM en 2019. Et donc depuis l'année dernière, nous sommes également sur un site qui développe des formations en chaudronnerie soudure. Alors c'est un site qui fait 2 hectares, donc qui se prête pour également déployer des formations dans le domaine du poids lourd. C'est effectivement l'arrivée dans notre atelier de chaudronnerie soudure d'un robot de soudure tout à fait exceptionnel, puisque ce robot-là est capable à la fois bien évidemment de faire de la soudure telle qu'on l'entend classiquement, mais également de contribuer au développement de la fabrication additive dans le département. Les chaudronniers soudeurs, c'est un métier dont on a besoin partout. Clairement, l'utilisation des robots, voilà, c'est l'avenir. Hein. Dire très clairement, c'est aussi le moyen de pallier en partie à nos problématiques de personnel à terme. Et puis, bien évidemment, le fait de pouvoir avoir des robots comme ça, très innovants, qui sont en capacité d'aller au-delà de la simple soudure, mais de la fabrication additive, ça permet également de réaliser un transfert de technologie dans les entreprises, à l'image de ce que nous avons déjà pu faire dans le domaine des sables de fonderie et de la fabrication additive des noyaux de fonderie avec le lycée Bazin à Charleville-Mézières. L'AFTRAL, c'est le premier organisme de formation en transport et logistique sur le plan national. AFTRAL a fait le choix de s'implanter dans les Ardennes en octobre 2019 pour développer le volet logistique. Donc, dans le cadre de ce terrain qui ne demandait qu'à être occupé, la proposition nous a été faite et une collaboration a été entamée pour pouvoir faire sortir de terre un bâtiment, donc fin 2022, début 2023, qui pourra permettre à l'AFTRAL de proposer toutes ses formations en transport et logistique sur le site même de Doncherets.